Et oui, c'est le troisième épisode, c'est Olivier Plasma. Et je viens juste de tomber à la fin, je suis vraiment doué. Ceux qui galèrent un peu à ce niveau-là, il faut aller en haut et là on gagne déjà 15 rubis. Merde. C'est vraiment pénible ça. Ça va pas le faire. Attention, équilibre. Et... Ah, c'est pas mon jour. J'espère que je vais réussir cette fois-ci. Voilà. Enfin. Aussi, il y a les citrouilles. Je suis à 31. Bon, je crois que c'est bon. On va s'amuser avec ce qu'il en spire. Tu peux le garder et le remplir de ce que tu veux. Je sais que toi, tu n'es pas comme ça. Mais les jeunes d'aujourd'hui expliquent tant de choses. Oh, mais dis-moi, tu veux acheter quelque chose, si ça te dit, regarde ce que j'ai dans le magasin. 30 rubis, j'avais bien raison. J'hésitais entre 40 et 30. Je ne pensais pas que tu voudrais acheter. Tu as l'intention de jouer avec les autres enfants. Oh, j'ai pensé, tu tombes à court de munitions, tu peux utiliser les graines de potiron. Le lance-pierre. À la prochaine. Et maintenant pour voir les petites filles, pour leur montrer comment se débrouille un vrai pro au lance-pierre. Ah Link, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi. Je l'ai laissé dans ta chambre. Oh, tu as pris la canne à pêche. C'est Colin qui va être content. Elle est facile à manier, non? Bon, et ben, salut, mon petit. Et voilà Colin. Ah, tu es Link. Link, tu ne travailles pas aujourd'hui, hein? Bah non, je travaille pas. Je m'amuse. Oh, une araignée. Eh oui, c'est nos petites copines, hein, les araignées. Il y en aura pas mal dans ce Zelda. Dans le premier donjon, on va en voir des grosses. Bon alors, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, hein, ce Zelda-là, n'est pas pour vous. Hein. Non, je rigole. Vous n'allez pas avoir non plus peur d'une araignée. Enfin,
Quand il y en a une juste devant vous, quand même, c'est assez flippant. Une grosse. Mais bon. Dans un jeu, ça va. Tranquille. Tranquille, peace and love. Maintenant, on a l'épée en bois. Hé, hey, Link! Mais tu as un lance-pierre. Oh, Link! Fais-nous voir ça. Mon petit chéri. Bon, tout est parfait. Allez, montre-nous ce que tu se lance-pierre a dans le ventre. Fais les cellules du pouvantail. Je sais vraiment peur des gamines. Pour vous intéresser à ce point-là, ce machin. Allez, Link, montre-leur. Sinon, on y sera encore demain. Elle est pas mieux, elle. D'abord, vise en déplaçant avec stick directionnel. Ouais, tu l'as eu. Dans le menu, ils disent que pendant que tu vises, tu peux pour chercher de nouvelles cibles autour de toi. Je croyais que tu n'étais pas intéressé. J'avoue qu'elle a raison. La petite est vraiment très intelligente. Elle veut même faire un magasin plus tard. Wow, super, Link! Si les cibles sont assez proches, c'est facile. Il décide d'appuyer sur Z pour les viser. C'est vrai, il est très doué au lance-pierre, un épée pour tout le reste. Ah oui, en fait, la prochaine fois, tu pourras nous montrer ton épée. Ces derniers temps, il y a un singe qui touchait des crasses. Je voudrais lui donner une leçon. Alors, s'il te plaît, apprends-nous à manier une épée. Ouais, génial! Super, bon alors, pour commencer, vous, ben, montre-nous le coup normal, une attaque, il faut remuer, hein. Ouais, une attaque verticale, c'est cool, hein. On peut simplement remuer pour faire une attaque horizontale, hein. Bon, bah, essaye. Ouais, c'était super, Link, sauf que c'était pas la bonne attaque. Incroyable. Oh ben, pendant que tu y es, j'aimerais bien voir l'autre attaque aussi, tu sais, l'attaque circulaire, enfin, celle où tu tournes sur toi-même. En même temps, ce n'est pas difficile, il suffit d'ajouter le look de gauche à droite. Ah oui, merci Link, je m'excuse de te faire passer l'une de tes rares journées de congé avec ces gamins. Tu peux nous montrer un saut, mais tu sais le coup, tu sautes comme ça et puis tu retombes et là ça fait mal. Je suppose que c'est celui où il appuie sur A tout en disant avec Z. Waouh! Merci Link. Ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci, peut-être pas. Mais avec ça. Avec ça, ce sont des singes qui peuvent se pointer quand ils veulent. Ils seraient pas mieux pour rien. Mais hé! Reviens-y tout de suite! Et c'est le début d'une petite aventure. On vous quitte pour l'instant, hein. Ça fera un sacré suspense. Donc, voilà. À la revoyure.